Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis votre frère dans le Seigneur, le docteur King Fortuné Batola Didier. Je viens par l'entremise de cette vidéo pour vous confirmer que effectivement, je suis invité dans la ville de Douzier pour animer ces trois jours de séminaire d'enseignement prophétique et d'édification au sein de l'église Zoé Tabernacle, conduit par le pasteur Audi. Alors, nous allons développer une thématique qui est une thématique très importante qui va dans le sens de l'école de la vie. Quelle est cette thématique? Il s'agit bien sûr de le chrétien et la misère. Que disent les Écritures? Dans les sous-thèmes, nous allons parler de la crainteté avec le paradigme du pauvre Lazare. Et il y a des thèmes comme la richesse et ses protocoles. Et enfin, nous allons clôturer pour chercher à connaître comment servir Dieu avec ses richesses ou avec ses biens. Vous savez que l'ennemi, dans les derniers jours, selon Apocalypse chapitre 13, Satan, son arme fatale pour assujettir l'église du Dieu vivant, pour faire la guerre aux saints, il devait utiliser l'économie. Parce qu'il est dit, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et à la fin, il les a soumis à cause de l'économie. Donc, l'église, en ces derniers jours, ne peut pas passer outre sans pourtant traiter la question de l'économie. Parce que lorsque nous n'avons pas la maîtrise de cet instrument, alors les fils de Dieu vont vivre dans les frustrations, les fils de Dieu vont vivre dans la douleur, dans les chagrins. Et il n'y a aucune vertu dans les chagrins, il n'y a aucune vertu dans des frustrations. Donc, la question de la misère, la question de la pauvreté doit être au centre aujourd'hui des discussions pour voir est-ce normal qu'un fils de Dieu, qui est le fils du roi, ce Dieu qui est grand, puisse engendrer des chrétiens qui sont des minimes, des chrétiens qui semblent être considérés comme des sous-hommes. C'est de cela qu'il est question. Voilà pourquoi je lance un grand appel. Cet appel à toute la population, aux frères et sœurs de la ville de Douzier, du 2 au 4 février, tous ensemble, nous allons nous réunir à l'église Zoé Tabernacle. Là, vous serez édifiés grandement par les enseignements que le Seigneur a mis à notre disposition. Au reste, que le Très-Haut vous bénisse richement. À bientôt.